Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing aujourd'hui avec la boutique Everyday Deal. Voilà, j'ai déjà présenté plusieurs fois des articles de cette boutique. J'ai jamais eu de soucis, toujours nickel. J'ai reçu ma commande, mon paquet très rapidement. On a discuté par email le 28 juillet, on est le 9 août. Que demande le peuple ? C'est nickel. Alors, j'ai pris du DP et j'ai pris de la broderie. Voilà. Donc, je vais vous montrer d'abord la broderie. Voilà. On va commencer par la broderie. Donc, à chaque fois, il y a un kit, un accessoire, un kit, un accessoire. Voilà. Alors, pour une fois, je sors pour pas qu'on... J'ai pris quelque chose de petit. Il faut de temps en temps. Voilà. Des marque-pages. Comme ceci. Alors, avec un hibou et un aigle. Voilà. Alors, les marque-pages, ce ne sera pas pour moi. Ça va être pour Chouchou. C'est pour lui que je vais les faire. C'est très, très rare que je lis, de toute façon. Mais lui, tous les soirs, il lit dans le lit. Puis là, j'en avais fait un il y a quelques années en scrap. Puis là, bon, il commence à s'abîmer. Donc, j'ai dit, allez, je vais te prendre deux marque-pages. Alors, je vous montre. D'abord, hop, la petite pochette avec, derrière la grille. Voilà, alors c'est du 14 CT et ça en dimension ça fera 18,8 cm sur 5,4. C'est précis, hein. Alors, la petite particularité de ce kit, bon, c'est pas de l'estamper, c'est du point compté. Moi, il n'y a pas de souci, je sais faire le point compté, j'aime bien, donc il n'y a pas de problème. La petite particularité que l'on va avoir ici, c'est que donc on a deux toiles, mais elles sont en plastique. Alors, je vais essayer de bien vous montrer ça. Allez. Voilà. On voit à travers. Je cherche un truc. Voilà. Ça ira mieux. Voilà. Et donc c'est de la toile en plastique avec des petits trous du 14 CT. Hein. Voilà, donc j'en ai deux. Mais je crois que on doit le broder le coudre, une fois qu'il est brodé, comme ça. Vous voyez? Hop! On ne sait pas expliquer, mais je vais vous dire pourquoi je pense ça. Bon, sur l'image, on voit qu'il y a deux pompons. Mais, c'est bien ça, hein, oui. Mais on a un pompon, voilà. Je sais que c'est comme ça, puisque j'avais déjà vu dans les vidéos. Et à chaque fois, ils ont un seul pompon. Donc, ça va être un marque-page double face. Voilà, je vais broder d'un côté, je vais broder sur l'autre. Et après, je vais les mettre l'un en face de l'autre. Et je vais coudre tout autour. Voilà. Et à la fin, donc ici en bas, on mettra le petit pompon. Avec, j'ai bien sûr des aiguilles. Là, alors, ouais, je vais reprendre ma feuille, ça ira mieux, peut-être qu'on verra mieux. Voilà. J'ai deux aiguilles. Et j'ai un stylo comme ça. C'est un stylo effaçable, mais bon, je ne sais pas si je vais m'en servir. C'est pour en faire les repères sur votre grille. Voilà, donc c'est la première fois que je l'ai, le petit stylo. Et ensuite, donc je vais avoir mes fils. Voilà. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est normal, hein, c'est des marque-pages. Ah, il y a papa qui dispute. Et voilà les couleurs.
Alors, on va avoir un blanc, un marron, un beige rosé, un bleu, un orange, un vert kaki clair, un vert kaki un peu plus foncé, un jaune. Là, ça doit être un noir, je pense, oui. Ou alors c'est celui-là le noir. Oui, c'est un très foncé là. Ou un bleu marine. Ça, c'est peut-être un bleu marine très foncé. Ensuite, là, on a un autre blanc, notre marron, du rouge, du vert, encore un rouge. Non, un seul rouge, pardon. Un orange. Oh, excusez-moi, je bouge. Voilà, c'est mieux comme ça. Un orange clair, un orange orange. Ici, j'ai un gris, un joli vert, il est beau celui-là, et ça, c'est le noir. Voilà. Donc là, il y a ce qu'il faut en fil, hein. Ils n'ont pas été radins, il n'y a pas de problème. Donc, il ne restera plus qu'à le faire. Bon, ça, je pense qu'entre deux, je vais le faire assez rapidement. Bah pour pas que Chouchou attende après pendant 6 mois, hein, quand même. Donc voilà, ça c'est la broderie. Hop, je remettrai en sachet après. Ensuite, j'ai pris un accessoire, on va dire un accessoire couture, qui peut servir pour la broderie, qui peut servir pour ce qu'on veut. Voilà, c'est un pic-aiguille, comme ça. J'en ai déjà, hein, j'en ai même fabriqué moi-même des pics-aiguilles. Donc j'ai pris celui-là. Alors, j'ai envie de le mettre sur un pot. Je vous montrerai, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer. Alors, celui-là, la particularité, il a un élastique. Voilà. Donc, vous pouvez le tenir au poignet. Voilà. Ou vous pouvez aussi le fixer sur votre machine à coudre si vous souhaitez. Donc, voilà. Il y a un petit élastique noir. Bon, mais moi, normalement, ce que je veux en faire, j'aurais pas besoin d'élastique. Donc, mais c'est pas grave. Donc, voilà mon deuxième accessoire. Enfin, mon premier accessoire. Ensuite, donc, j'ai dit qu'il y avait du DP pour Chouchou. Alors, c'est lui qui l'a choisi. Mais quand c'est pour lui, je le laisse choisir. Alors, c'est un 40-50 avec 25 couleurs. Et là, bah, pour vous montrer les couleurs, je vous change, je vous mets face bureau. Me revoici, ça a été vite, hein, vous avez vu. Alors, comme d'habitude, on a le petit toolkit. Voilà. Ça, je ne m'étends pas dessus, hein, on connaît par cœur. Et donc voilà. Désolée, j'ai mis flash, hein, parce que je ne suis pas à la lumière naturelle. Voilà les couleurs. Je vais vous montrer en détail, hein, comme d'habitude. Donc en sachet zippé. Et ce sont des perles rondes. Alors, voilà, marron, un joli bleu turquoise. N'y a pas de perlabé hein, dedans. Voilà, vanille. Marron clair, café au lait avec beaucoup de lait, du bleu ciel, un rouge, oh pardon, marron rouge, ah allez, ah, voilà, vous pouvez flouter, flouter. Un kaki.
un verre d'eau, encore un beige orangé. Ah, alors? Ah, il veut pas. Alors, mais qu'est-ce qu'il me fait? Ah, voilà. Non, mais c'est qui le chef ici? Un vert, un violet, encore un beige. Un bleu ciel. Un bleu plus foncé. Un bleu encore plus foncé. Un bleu clair. Là, c'est un bleu canard. Vous ne le voyez pas bien, mais c'est plus un bleu canard. Encore un beige. Et pour terminer, un blanc gris. Alors là, vous le voyez presque blanc, mais c'est un peu blanc, un peu gris. Voilà pour les couleurs. Bon, je changerai après. Je vais débarrasser un tout petit peu pour vous, mieux vous montrer. Pour mieux vous montrer la toile. Je vous tourne avec moi. Voilà. Tadam! Alors, attendez, je vous relève un petit peu pour que vous voyez bien. Je vais vous reculer. Voilà. Alors, un pépère pêcheur dans sa barque. Chouchou n'est pas pêcheur, hein, je vous rassure. Mais il a adoré ce petit kit. Il l'a trouvé rigolo. Et donc, il l'a choisi. Voilà. Alors, il n'y a rien qui lui ressemble là, parce qu'il n'est pas pêcheur, il ne boit pas de bière. Voilà. Chez nous, il n'y a pas d'alcool. Hein. Voilà. Donc, je vous disais, c'est un 40-50 et avec 25 couleurs. Alors, niveau impression, on va déjà regarder en bas parce que je vois qu'il y a de l'imprimerie en blanc. Voilà. La toile brille. Et voilà l'impression. Vous voyez, c'est vraiment nickel chrome. Je vais vous montrer un autre morceau. Hein. Là, peut-être dans la maison, ici en haut, dans le petit chalet. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment nickel chrome. Hein. C'est net. Et ça colle. Et vous avez vu, ça brille. La toile est pailletée. Alors, comme d'habitude, hein, on va bien remettre le plastique. Ou alors, vous l'enlevez complètement. Et puis, de toute façon, là, je suis en train de faire. Ah, voilà, je vais prendre ça. Et puis, vous le. Comment? Vous mettez du papier sulfurisé à la place. Ça glisse sur mon bureau. Voilà. Bon, je remettrai mieux moi après. Enfin, c'est Chouchou qui le fera puisque c'est à lui. Donc voilà. Alors, je vous rappelle, ce sont des perles rondes, 25 couleurs, 40-50. Et je vais vous mettre en barre d'infos, donc le lien pour retrouver ce kit, comme tous les articles que je vous présente aujourd'hui. Donc voilà pour le DP. Je le mets là, je vais ranger après. Et l'accessoire. Alors, il est passé où mon accessoire? Ah, il est là. J'en avais déjà eu un. Oups, il y a un petit peu. Ah, voilà. J'en avais déjà eu un, mais le mien, j'ai fait une bêtise dessus, je l'ai cassé. Donc voilà. Hein, ça, c'est fait. Ça arrive, hein, ça arrive. Je déballe, je déballe. ah, il était un petit peu plié. Mais bon, c'est rien, je vais. Voilà, ça va déjà mieux. Voilà, c'est ça. La règle pour vous mettre les perles rondes sur votre kit. Attendez, je vais peut-être enlever le flash pour pas que ça brille. Voilà, ça ira mieux. Voyez?
Alors, j'avais déjà le même, mais moi, je l'ai abîmé. Donc, il abîme plus ma toile qu'autre chose. Et alors là, attendez, là, il est tout petit peu plié, mais c'est pas grave, ça se remet vite. Donc, le mien, celui que j'avais avant, va aller à la poubelle. Je ne peux plus rien en faire parce que je vous dis, il accroche sur ma toile. Il y a des petits trucs là que j'ai voulu couper, j'ai fait des bêtises. Il faut rien couper là-dessus. Donc voilà, ça c'est le petit accessoire du coup que je voulais reprendre pour changer le mien. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors attendez, je vous redresse. Pour que vous me voyez. Voilà, j'ai coupé juste une seconde, c'était plus simple pour remettre mon téléphone comme il fallait. Oui, c'est plus sympa hein, que je vous dise au revoir de visu et que je vous fasse le gros bisou. Alors voilà pour aujourd'hui. Donc je vous rappelle que ça vient de la boutique Everyday Deals. Je vous mets tout en barre d'infos. Le lien de la boutique, le lien des articles, et si j'ai d'autres informations à vous mettre, je vous les rajoute également. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Si vous voulez donner votre avis, toujours en commentaire. Ou si c'est juste pour me dire bonjour et gros bisous, c'est en commentaire aussi. Donc, n'hésitez pas. J'aime bien les gros bisous. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous, du coup. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt! Bisous, bisous!